Et bonjour à tous, c'est Pause Café, on se retrouve pour l'épisode numéro 26 d'Odin Sphere. Et normalement, c'est l'épisode final, mais c'est même pas normalement, c'est sûr, c'est l'épisode final de Mercedes. Et je le fais donc juste après les deux derniers épisodes que j'ai tournés. Excusez-moi, je remets mon micro. Je refais juste après les deux derniers épisodes que j'ai tournés, mais vraiment de suite, parce que j'en pouvais plus, je voulais voir la fin. Quoi. Voili, voilou, allez. Commence sans plus tarder. D'accord, donc Odin, c'est quand même un gros taré, quoi. T'as raison, sois vénère, ma grande. Alors lui, il débarque. Lui. Donc, alors c'est ce que j'étais en train de me dire avec la personne justement qui m'a recommandé ce jeu, c'est que je me disais, est-ce que je vais pas avec le prochain essayer de faire autre chose que d'augmenter les dégâts. Parce que c'est vrai que je fais que ça, mais est-ce que j'aurais pas meilleur plan d'augmenter un peu la résistance aussi. A voir. J'ai 3 tonnes de graines encore, je pense que là, je peux largement m'en départir. Il y aura probablement des carottes dans le coin, donc je vais garder mes matières zéro quand j'en aurai. Ça, je vais garder. Je vais acheter du chocolat pour pouvoir augmenter encore un peu mes levels. On va se faire un petit coup de village Pouka viteuf. Je vais juste regarder. Gigot c'est bien aussi, mais on n'a pas rien à secouer en fait. Cuisse de poulet, voilà, j'achète une fois du fromage. Et une fois la graine de rutacée, et normalement j'ai encore un œuf, voilà, que je vais faire un toast aux œufs avec le pain. Donc fromage, pain, tout ça. Ça va être la fête. Voilà, on va faire ça rapidement, histoire de pas vous faire comme la dernière fois. Non, non, on n'a pas besoin de conseils. Allez, non, j'ai pas besoin de vendre, je suis con, j'ai besoin d'acheter. Graines de baromètre, il m'en faut. Œuf, il m'en faut. Non, il me faut un pain, il me faut un fronton, et il me faut un coup de chocolat. C'est parti. Comme ça, je vais pouvoir un peu voir ce que j'ai. Alors, putain, j'ai aucun écu d'Ariel, en fait, ça sert à rien que j'achète tout ça. Ça sert absolument à rien, j'ai pas de quoi payer. Un or Valentin, c'est tout. Donc c'est mort. Eh ben c'est pas grave, une autre fois. Au moins vous, ça vous épargne. Putain, il nettoie MCA devant. J'ai rien contre MCA, mais... Putain, ils sont tous chauds là, hein. C'est bien, c'est devenu une vraie chef de guerre quoi. C'est intéressant de savoir combien il y a de mecs dans son unité, parce que pour une Mercedes, c'est toujours savoir de bien de savoir combien il y a de chevaux. Ah, oh mon dieu, formidable. De la merde. Bon, il y en a qui vont être contents parce que j'ai fait encore des blagues de merde, mais je me surprends moi-même des fois, si vous voulez. Eh ben, c'est bien ça, on est sur le champ de bataille. Attends, on aura fait des choses quand même. Le seul endroit qu'on n'aura pas visité, c'est Nebulapolis. En fait. Et c'est un peu normal, c'est un peu le coin où les fées sont un peu butées à vue. Quoi. Un poil, légèrement. Allez, épilogue. Jo, hei tachi ga soroimashita.
天より名を借りて大地を紡ぎます。大地の実りは我らあってこそ、大地の恵みなくして人は生きられない。魔王は摂理に背いたのだ。保存の血で汚し、力ずくで大地を侵さんとしている。震えるほどの大地の怒りを皆も身内に感じているはず。恐れることはない。 母より受け継いだこの弓に続け、新たな力を得た魔弾は誤たず、魔王の邪眼を打ち砕く。このコルドロンの地で戦いに倒れ、名を天に返した母と兄弟たちの祈りが盾となって我らを守ろう。今こそ大釜を奪い返し、思い上がった魔王に大地の鉄槌を下す時、我ら精霊の皆に 大地の祝福あれ。メルセデス様、立派に成長なされた。さながら仙台城を眼前に眺める思いですぞ。 Et voilà, mes mères est devenue vénère. C'est con, putain, elle avait l'air d'avoir chopé des balls, puis là, elle nous fait encore caca, quoi, enfin. Tu vas y arriver, mes mères. Bon, je suis moi aussi, c'est moi qui suis aux commandes, donc t'as pas trop de bol, mais. Ça devrait le faire, quand même. Bon, là, en plus, on a pas de potion à la con à faire. C'est le niveau le plus simple. C'est juste les bombes des nains qui sont un peu relous. Faire gaffe, voilà. Du coup, là, j'en profitais pour augmenter ma psyphère, mais tac. Saleté. Oh la vache. Putain, ça rigole pas, leur connerie. Hein. Ça fait super mal. J'avais oublié à quel point les bombes des nains faisaient super mal comme ça. Quoi. Bon, dans un sens, c'est pas trop un problème. Je vais avoir de quoi me soigner, mais bon, enfin, je vais passer un niveau. Putain, je vais latter le cul. J'en reviens pas, quoi. De la pomme. Oh, des écus d'Ariel, c'est bon, ça. De Lord Valentin. Bon, c'est pas maintenant qu'ils vont me les donner, mais bon. Ouais, il va falloir que je fasse des potions de huile, s'il y en a un point, quand même. 250 d'XP, allez, c'est parti. On va se mettre full life. Allez, encore un petit coup pour mémé. Voilà! 513 PV, qu'est-ce que t'as à dire à ça? Ah, à la recherche de la carotte sauvage. Miam, 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 miam! Et un oignon, bah allez, on va le prendre. Pire, je le boufferai. Bon, ben toi, la carotte sauvage, il va t'arriver déjà. Peut-être transformer en potion d'huile. Et je vais m'en faire taquer des potions d'huile parce qu'il va y avoir que ça, hein, je pense. Qui va pouvoir bien me régénérer comme je veux. Montrez-vous! Je suis chaud! Alors là, les Valkyries, mais je vais tellement vous enfler, mais laisse tomber, quoi. Déjà fini? Putain, mais je les ai explosés, quoi. «
Ah oui, bah en S là, on peut pas en être autrement, j'ai démonté. Là. Oh putain, j'ai encore une tonne de trucs, matière zéro. Une graine de vitesse. Putain, j'ai des tonnes de trucs, franchement, j'en vends encore. Qu'est-ce que je pourrais faire? Vous savez quoi? Vu que maintenant je peux faire des potions de heal, à la limite je m'en balance un peu. D'avoir des mangas et des trucs comme ça. Donc on va virer toutes nos graines à la con. Genre le pépin de flamboise par exemple. Voilà, et on va avoir affaire à un nouveau poulet. C'est bien parce qu'au moins ça me déstocke un peu l'inventaire, c'est tout ce que je demande. Et vas-y, mange, mange mon petit, mange. Tu vas devenir un gros poulet. Voilà, magique. Petit bague le poulet, hop là, ça c'est fait. Petit bague l'œuf, hop là, et maintenant j'éclate le poulet. Allez, voilà, recharge. Bon, droite ou gauche? Allez, d'instinct, je dirais gauche. J'ai cru entendre mon arrivant. Là. Non, mais là, c'est parfait. Je vais me faire taquer de potions de heal, quoi. Toi, tu dégages. Non, putain. Casse les couilles. Voilà. Potion de ville, en veux-tu, en voilà. Allez, c'est parti. Bon, là, je pense qu'on est relativement bien, là. Un boss. Tiens donc. Alors, c'est les gros berserks. Glisse. What the fuck? Les berserks de l'île. Ah mais là, non, là c'est chaud, on va foncer, voilà. Alors toi, ce gros fail que tu m'as fait, quoi. Mais toi tu dégages. Même pas négocier. De la thune! De la thune! Je m'en fous de prendre des dégâts, je veux la thune. Wouah, je fais super mal. Le gros bourrin là, je sens qu'il va m'éclater la gueule gentiment, donc je vais me soigner. On va en profiter pour prendre du gigot. Merde! Oh putain, l'enculé, ce qu'il m'a mis! C'est chaud quand même. C'est chaud, ils font supra tétra mal. Et là, je m'apprête à me prendre une grosse baffe dans la gueule. La praline. J'ai pas le choix, la praline. Voilà! What else? Bon! Ils vont être casse-couilles, je pense. Mais tu es sérieux, là? Merde, on charge. Je vais prendre des faisons. Allez, petit faison. Quel con, je l'ai pas vu arriver, j'étais concentré sur mes faisons. Ok, alors je faisais un peu le cake là, du genre ouais, ce niveau il est trop facile, tralala. Ils passent leur vie à me one shot. Donc, enfin, si c'est pas one shot, c'est vraiment pas loin à chaque fois. Donc, je sais pas trop comment je vais faire là, pour être honnête. D'accord, jette des haches. Bon, là, on sent que c'est la fin de niveau. D'habitude, les fins de niveau sont pas si hardcore que ça quand même. Putain, ça c'était chaud. Comment avoir tout le temps l'œil dessus? Allez, faites péter. Non, putain, laisse-moi prendre un peu de psyfère. Ah, et puis là, il est dessus, là. Ce point-là. Ah, il gueule. Oh, on va arriver dessus, ce coin-là. Ok, bon. Je suis bien heureux d'avoir des potions de soin.
peux le bouffer, hein, je te le dis. Hein. Il s'excite de son côté. Il va sûrement me charger, faut que je fasse gaffe. Non, c'est bon. Bon, ça se passe, hein. Je suis un peu concentré, mais bon, comme vous pouvez voir, il peut vraiment faire très très mal très vite. Donc je vais pas trop jouer le cake. C'est bon, je l'ai eu, ben tu vois, ça se fait. Allez, fais péter tes chaussons. Bon, je me suis tapé encore une mort. J'arrête pas, hein. Je pense que ouais, je vais prendre des trucs de... Je vais arrêter de miser sur l'attaque avec le prochain perso et je vais me concentrer un petit peu sur la défense. Parce que c'est vrai que j'arrête pas de me faire latter comme une merde à chaque fois. Il y a de l'or là-bas. J'aime ça, l'or. Pépin de flamboise, ça c'est bien pour les poulets. Et ben, vous savez quoi, on va faire péter un poulet. Puisque ça s'y prête. Et un noyau de manga encore. J'en ai tellement rien à secouer les noyaux de manga. Ils ont pas de la matière zéro par hasard. J'ai plein de pépins à vendre, c'est abusé. Vous savez quoi, on va se régénérer. Du coup, là, j'ai rien eu à dépenser. Là, donc, Allez, le piaf. Fais-toi plaisir. Festin aujourd'hui. C'est moi qui régale. Bon. Pour moi, un œuf. Petit bac de poulet. Bien, 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 bien. Il faudra un bazar. Bon, je vais augmenter ma psy faire taquer parce que c'est ce qui me permet de faire des dégâts. Alors là, vu que j'ai le bracelet de Mars de la mort, là, je sais pas quoi, ça me faire plaisir. Hein. Un bazar, il faut un bazar. Allez, on va prendre la droite cette fois. Ah. Héka. 私なら心配はご無用です。まだまだ戦います。あなたのためなら。C'est bien. Meurs pour moi. Oh, le village Pika. メルセデス様、戦いは優勢です。魔王軍は浮き足立って、統制が取れていません。ジョー様、伺っていた物資は前線に補給しておきましたよ。女王様も何か見ていかれてはいかがです。Mais un peu, je vais jeter un œil, bouge pas. Alors, chocolat, matière, rang, sac, 500 vitesse, petit anneau. Vampire ? Histoire de payer à chaque fois qu'un ennemi subit des dégâts. C'est pété ce truc là ? Ouais, mais non, moi je me fais la terre en deux coups, c'est pas la peine. Enfin, je veux dire, c'est rien que je prenne des. Non, on va prendre du chocolat par contre. Mais ça on verra plus tard, chocolat. Déjà, je vais vendre des trucs. Alors ça, je me rends. Ça, je me rends. Faut plus loin que je fasse de la place pour les potions de vie, en fait. Ça, je me rends. Ça, je me rends. Je pourrais faire ça toute la journée. Ça, j'en ai rien à secouer. Ça, non plus. Bon, le cristal, hein, je veux dire. Tout d'un moment, il me prend de la place. Pépin, je dégage. Oignon, je dégage. Dans le cul, de toute façon. Bien, il reste quand même un pépin de pomme au cas où. J'ai plus de matière zéro. Alors du coup, je pense qu'il serait judicieux d'en acheter. Ça vaut la peau du fion, les matières. On en achète une pour cas où, mais bon, putain, la vache. Il se bouge pas avec le coin du coude, lui, hein. Bon, du coup, si elle... Non, mais on s'en branle de toi. C'est... Mais du coup, c'est bien, là, si elle... Village Pouka au plein milieu. Peut-être qu'ils ont calqué que c'était vachement chaud, et du coup, on va nous mettre ça pour qu'on évite de se faire latter trop fastoche. Allez, toi, tu vas encore me donner tes conseils. Et sauf que j'en ai rien à péter, je ne veux pas te vendre des choses, je suis teubé, moi aussi, de mon côté. Je vais t'acheter du from die, du pain, et du lait.
Bon, j'ai de quoi faire. Allez, on va gentiment bouffer, se mettre bien. Tant pis si ça prend un peu de temps, mais là au moins je suis sûr de pouvoir éclater tout ce qui bouge après. Quoi. Alors tous deux, ça s'emporte, donc je prends. Si, il faut que je prenne aussi du chocolat, j'ai oublié. Enfin, des pralines, c'est vachement bien ce truc-là. Tous deux, ça rend taquet de PV. Il faut que je fasse du chicken au gratin. Voilà, ça devrait le faire. Ça serait comme 10 PV de plus, c'est pas... ça donne taquer vraiment l'XP. Il me reste de quoi faire mon... je vais sortir. Bon, il me reste sûrement de quoi faire un ou deux trucs encore, je vais les faire là, du teuf. Genre la... le sorbet à la pomme là. Je vais vite acheter le chocolat. Je vais déjà faire la praline de base. Que ça s'emporte, comme je disais. Et que c'est vachement pratique. On reste combien avec lui, Valentin, d'ailleurs ? Je n'ai pas regardé. Il m'en reste un seul écu d'Ariel. Donc du coup, je vais faire que la praline. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Une praline, vite. Et c'est vrai qu'on a le cookie au gingembre maintenant. Ok, et ben allez, on se tire et on est bon. Bon là, je les attends les mecs, hein. Je suis bardé d'objets de soins, je veux dire, les types, ils ont intérêt à se ramener avec autre chose que des lance-pierres, quoi. Comme on dit par chez nous, ça va chier, yeah, yeah, yeah. Alors... Bien ça, on va encore lui jeter la gueule. Du coup, je vais faire tout bas. Parce que là, on va arriver dans les positions des vannes. On est encore un peu chez nous, j'ai envie de dire, mais bon, pas trop quoi. Quoi, il y a encore un boss? Sérieux? Bon, d'accord. Deux! C'est trop là! Bon, ils partagent leur vie dans l'instant, donc ça devrait être moins problématique. Peut-être les bombes des nains pour m'aider. Non, ça c'est pas cool. Putain, j'ai eu chaud. Oh, il faut mal. Heureusement, j'ai des pralines. J'ai un toast aux œufs aussi. Première bouchée plus 1000 PV, c'est n'importe quoi ce truc. C'est pété. 300 PV, c'est ce qui me fait. Allez. Tu sais quoi, j'utilisais ma psyphère, hein, tant pis. Non, bah, pardon, c'est chaud. Bon, j'arrive au moins à en buter un, là. Lui, il est pas loin d'en s'en prendre une. Tiens!
Oh putain, alors lui, il était vraiment à deux doigts. Il a laté un lâcher, putain, laté. Oui, il m'a laté la gueule aussi, certes, mais. Il a surtout lâché un coffre. Oh, de la matière zéro, j'en ai besoin, c'est pas bien. Tant pis si tu me tapes, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai absorbé plein de poison de mon copain. C'est le principal. De toute façon, il ne faut pas grand chose pour me régène, là. Genre, par exemple, la praline que j'ai bouffée tout à l'heure. Elle est. Ça se mange deux fois, normalement, cette praline. Ça pue ? Tant pis. Non, putain. Pas le temps d'esquiver. Allez, une deuxième. Là, il va charger, voilà. Et moi aussi, il faut que je recharge. Ah, on a un bruit, là. En espérant que ce soit une carotelle. Hop là. Yes, bingo. Bon, allez, lui, là, je vais. C'est vrai que maintenant, je commence à me remettre un petit peu dans le bain, là, avec ces mecs-là. C'est pas si compliqué. Il faut juste être bien au courant de ce qui se passe. Bien regarder sa carte et tout ça. Bon, bah, ça, c'est fait. Oh putain, 9! Ah, c'est encore un truc? J'ai pas tout pété? Ah, il reste un nain! Un nain! Bon, bah ça c'est fait! S'ils s'en sortent de celle-là, je jure de plus jamais me raser la tête! Pour ceux qui comprennent la référence. Bon, j'ai dû me faire latter la gueule. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Tant pis! Oh, on est que Valentin! Joie, bonheur, Traderidera. D'accord, donc j'ai fait les deux boss. Maintenant, où est-ce que je pourrais aller? Aller à droite? Attendez, j'en profite, je vais faire ma potion de soin. Où es-tu, petite carotelle? Bien! Comme je vous dis, je vais essayer d'augmenter à fond ma psyphère là, avant de partir, parce que j'ai tout ce qu'il faut en objet de ville, je suis blindé. Je vais vraiment essayer d'augmenter, attaquer ma psyphère. Quitte à en dépenser un petit peu. Bon, je vais... Alors, s'il y a un papillon, ça doit être une zone à 4 ou à 5. Dégage. Yes, niveau 32. C'est vrai que j'aimerais aussi obtenir la surpuissance. Que, à mon avis, avec elle, la surpuissance, ça doit être fumé, quoi. Déjà qu'on fait super mal. En S, bien sûr. Check, check. C'était une zone 3 étoiles, là-bas. Allez, je gagne un médaillon, en plus. Ça va se revendre cher, les médaillons. Ouais, ouais, Rosemi. Collier solaire. Collier solaire. Oh, je m'en fous. Collier solaire. Bon, t'es PV max de 20%. Ça, c'est bien, mais avec l'autre perso. Je prendrai avec l'autre perso. Mais ça se revend. Donc, on ne crache pas dans la soupe. On va se faire un max de thunes. T'as la nouvelle vampire, ça a l'air complètement fumé, ce truc-là. Ah, bah, allez. On a dit qu'on augmentait un peu notre pacifère. Pété, Roger. Toi, une carotte je prends. Toujours bien d'avoir une carotte sur soi. Bon, on est bien là. On est bien. On va pouvoir en vendre des conneries. Du coup, je vais aller en vendre et je vais après repasser sur la gauche. On va faire les choses de manière méthodique. Hein. Quitte à ce que je fasse un épisode un peu plus long, c'est pas comme si j'avais pas un intermédia pour le coup. Je peux largement me le permettre. Et surtout, c'est la fin de Mercedes, bon sang.
Donc on fait les choses bien. Allez. Toi, donne-moi ton flouze. Ouh, j'ai un œuf. Bon, je pourrais retourner encore dans la cuisine et tout ça, mais comme ça je le vends, j'en ai pas besoin du coup. Ça aussi je le vends, ça je le vends. L'œuf, je vais garder, mais je vais pas en faire un poulet. Ça, pas bouger non plus. Largement couvert. Voilà, comme ça, on est sûr. Et du coup, à gauche. Sûrement un niveau A5 ou un truc du genre, je vais faire les extrémités, comme ça au moins c'est fait. Puis je vais surtout pas me gêner pour utiliser mes synergies, parce que là, le but c'est d'augmenter de façon ma psyfère. Donc je vais en récupérer des faisons, je vais rien faire pousser. Vu que j'ai des potions d'huile, j'ai pas besoin. C'est quoi ça? Ah, c'est un gros teubé. Qui fait super mal au passage. Un gros teubé qui fait super mal. Heureusement, je peux les one-shot avec ma technique. La question c'est, est-ce que je vais devoir bouffer un coup de praline là? Non. Il ne reste qu'une seule praline. Je vais la garder au cas où. Putain, ça rend rien. Plus de poulet, allez. Ouais, bon, au final, ce niveau est un peu moisi. Ouais, c'est cool. Un gigot. Encore des graines que je vais revendre. Au pire, je me ferai un poulet. C'est une zone à deux, hein. C'est tout pourri en fait. Bien, 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 nous avançons. Bon, je vais attendre un peu de... Bon, il y avait le mandragore. Je vais attendre un petit peu avant de me mettre full life, là. Alors, j'ai fait mon petit carnage. Ah, garde, garde ma grande, garde. Ça va pas t'aider grandement, ça. Voilà, mange. Tant d'eau, ça c'est fait. Ils sont quand même assez redoutables, hein. Que je fasse gaffe un peu. Ça sent la zone à 5, là. Je sais pas pourquoi. Et de l'or. Non, de la framboise. J'en ai que même. Ah, de la matière zéro. Bueno, ça. Non, faut pas que je fasse la même connerie que d'habitude. Je vais me faire un stock de potions d'huile, y'a rien de mieux, de toute façon. Ça va, peut-être. Ouais, ça doit être la zone à 5. Du coup, au grand mot, les grands remèdes. Mais ça sert à rien de garder, regarde, je te latte la gueule. Je cherche pas à comprendre. Ah, c'est chaud. Ouais, non, là par contre, c'est pas bien. Je vais gentiment nous mettre mon level. Mon loup, c'est pas très grave si je l'ai perdu. Allez, une pomme. Bah, allez, prends ton niveau, putain! Ah, la grosse lente, quoi. Ah bah voilà. Bon, ça va être la zone à 5. Je dois avoir mon inventaire de plein. Et j'ai bientôt mes psy-fers de plein, ici. Ah, peut-être pas bien placé.
Une matière 20, qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Oui, une matière 0 là-bas, je vais essayer de faire une potion d'huile. Non, l'oignon ne m'intéresse pas. Ouais, non, tant pis pour la potion d'huile. Non, c'était une zone 4. Bah, comme quoi, bon, là, il faudrait que je trouve un bazar. Là. Il faudrait que je trouve un bazar en urgence, parce que je vais jamais y arriver. Donc, je vais tenter à gauche, là. Il y a moyen que ce soit un bazar. Parce qu'il faut absolument que je vende toutes mes graines à la con. C'est bon, c'est un bazar. Putain, j'ai un cul mais monumental, moi. C'est formidable. Bon, vendons. Ouais, Rosemi, je la garde. Ça fait du poison. Le truc à 20, j'en fous. Je vais garder encore de la Rosemi, là. Les flambois, ça se vend 3 et ça ne donne que dalle en XP en soi. Ça pourrait être un bon moyen de faire de la thune. Une matière 0, j'ai déjà. Il me faudra juste de la carotelle. Ouais, non, je suis quand même salement blindé. Hein. J'ai vraiment pas trop de quoi avoir peur. On va acheter des trucs. Alors, bracelet de Jupiter. On monte la gamme hein, de 30%. Mais j'ai déjà celui-là. C'est bien le truc de Jupiter que j'ai, ouais. Anneau protecteur et cristal sacré. Moi, je ne puisse pas mettre plusieurs objets. Bah, écoutez, j'ai tout ce qu'il faut en soi. Hein. Je vais quand même vérifier que c'est bel et bien le truc de Jupiter. Là. Mais oui, c'est bien le truc de Jupiter. Je suis con aussi, moi, ne m'inquiétez pour rien. Allez, on y retourne. Bah, ok. Un gros mauvais. Je latte les gros mauvais. Hein. Mais. C'est vrai qu'on commence à devenir sacrément puissant là. C'est bon, on tombe sur des adversaires puissants aussi, hein, je le dis pas, hein, mais on commence à envoyer du lourd quoi. Là, ça doit être le niveau à 5. Là, je le sens bien comme ça. Hein. La carotelle, toi tu vas gentiment orner ma collection de potions ici. Voilà, de l'or, bah, qui demanderait mieux que ça de l'or. Ok, là c'est chaud par contre. Attends. Oh, ça est bien en ligne là, c'est parfait. Restez comme ça les filles. Voilà! Parfait tout ça, de l'or en plus, et encore de l'or, mais que demander de plus? Tellement de lattage de plus, abusé. M'en fous. Notre garde. Voilà, bon bah ça c'est fait. Ah ouais. Vraiment le niveau à 5 là, on le sent. Hein. On en voit dans tous les sens. Vous savez, il y en a qui se jettent carrément dedans. J'ai hâte d'affronter le roi démon de mes couilles là, parce que alors, lui il va prendre cher. Il va prendre vraiment mal pour le coup. À moi les faisons! Si je peux avoir la technique de surpuissance juste avant le boss, ça serait parfait. Et je suppose qu'on va se choper un trésor de la mort, genre une carte par exemple, ça pourrait être pas mal. Et ben voilà, suffit de demander. Suffit de demander, tout simplement. D'accord, en fait on a fait on a fait tout le niveau. Et ils mettaient la carte juste avant le boss, les fumiers. Hein. Histoire de me faire un gros mainfuck. Bon. Et ben il reste plus qu'à se régène. En bouffant de la merde, tiens, ça c'est très bien.
Voilà, très bien. Allez, on va faire le dernier niveau, et après on va aller gentiment latter le gros vilain. J'ai cru entendre une... Non, c'est moi, c'est mon imagination. Alors là, les mecs, je vous attends. Non, oh putain, c'est chaud. Non, ça aussi, c'est chaud. Wouhou! Ouh, un pain. On va faire un toast aux œufs. Alors là, vous avez dégusté, les gars. Allez, je me fais un strike, et c'est le strike. What else? Je les ai, mais dépouillés, quoi. Je vais faire pousser les Rosemi, histoire de me faire encore des faisons. Et ils me donnent plein de trucs dont j'en ai rien à battre. Ça fera de la thune, c'est pas grave. Allez, faites péter les faisons, les mecs. Enfin, j'ai bouffé dans mon coin aussi, parce que c'est pas que j'ai pas envie de me faire latter la gueule ici, en fait. Une cuisse de poulet sera très bien. Ça, je gagne plus rien maintenant. Il n'y a que la cuisine Pouka qui va pouvoir m'aider au final. Voilà, à ce level-là, je crois que j'étais jamais monté aussi loin avec un perso d'ailleurs. Je crois bien. Porter le rose émile. En tout cas, au moins en psyfer, bien sûr. Ouais. On va se prendre un peu de gigot. Allez, encore une dernière bouchée pour mémé. C'est bien! Bon bah niveau de la psyfère 34. Bon bah j'aurais pas pu avoir la surpuissance, c'est même pas dit qu'elle l'est d'ailleurs ce sort, hein. Mais c'est complètement fumé, hein. Dit mon passage. Je crois que c'est bon là, je crois que c'est les derniers. Enfin, bon, j'ai rien dit en fait. Nous y voilà. Ah bah si, je l'ai, je suis con. Oh le boss, j'aimerais pas être à sa place. Je vais me le faire à l'ancienne. Bon, je vais encore me faire one shot, hein, je le sens bien, mais rien à foutre. Là, j'ai surcharge, ça va vraiment dépouiller sec, quoi. Les mecs, je les attends, là, pour le coup. Tiens, à dire qu'avant, c'était Titania, ça. Oh. C'est beau, ce coin, quand même. Allez!敵軍が優勢、これは事実。退却しろというのか、腰抜け目。臆病者の目には敵は常に大軍に見えるものよ。さあ続け。ラグナネイブルの将兵らしく命を捨てて戦え。その身を投げ打って活路を作れ。これはこれは、お前が女王の娘か。正気が向こうから飛び込んできたわ。 わしに傷をつけたければ四五部隊ほど消しかけるんだな。どうした、来るのか。震えているではないか。舐められたものだな。お前のような小娘が世にはむかうとは。子供とて容赦はせんぞ。 すぐにエルファリアの後を追わせてやる。その下でお母様の名を汚すな。お前なんか、今度は泣き出しおった。下を向いてはダメ。お母様に言われた通り相手を見据えるのよ。弓よ、ビブラムよ、力を貸して。 相手に苦戦とは、我が軍の質も落ちたものよ。
が、この戦いもこれで終わりだ。Tu vois ce qu'elle te met dans le pif, la fillette. Maintenant que j'ai la surcharge, ça va y aller, je peux t'assurer. Ok, même que je fasse gaffe. J'ai hâte de voir ce que je vais lui mettre dans le pif. Oula. Oula. Ça va quand même, j'en mets des bonnes, hein. Non mais je t'ai éclaté, cherche pas, je t'ai démonté la gueule. Bon, ça c'est fait, surcharge, sort pété avec... je comprends que ça soit le dernier pour le coup. Barol, le plus fort de Cypher, va se faire de la même chose. J'ai fait ça, Joe. Je Mercedes, ça va. あれほど恐ろしく見えた姿も今は処刑を待つ哀れな老人に見える。お母様の恨みを一打ちで晴らすこともたやすいけれど、死ねば英雄扱い、お前たちの期待に沿う気はありません。そうしたところで次に控えるものがホルドロンを狙うだけ。さあ選ぶのです。お前が今後一切私の前に現れることなく、我らの血を犯すことなく、北の大地に引きこもると誓うなら、命までは取らない。死を選ぶというなら、このままお前の国に攻め上り、死を得た後も多くのものを失いましょう。誓いなさい、王大尉。誓え！誓おう。得意の虚言は聞かないわ。これほどの恥辱で命を長らえながら立てた誓いをも破れば、臣民の誇りも消え去ろう。そこのワルキューレ、お前が証人よ。この方を全軍に伝えなさい。行け。かつての魔王よ、コルドロンを操る指輪を置いてお前の軍隊と去るがいい。名前を聞こう、リングフォールドの女王。エルファリアの娘、メルセデス。私がある限り、マダンはお前を狙っていることを忘れるな。我らの宝がこうして手に戻り、長く続いた苦難の日々も今終わりました。再び平穏が訪れることを約束しましょう。コルドロに十分な警備を配しなさい。そして我らに勝利をもたらした戦死者たちに祈りを。見事な御采配ぶり、王大尉さえも手玉に取りなされた。留飲が下がりましたぞ。彼らの気質を考えますれば、見事な政治的ご判断でございます。兵たちの目をご覧になりましたか。もうメルセデス様を侮る者はおりません。胸を張って凱旋なさい。あなた様は本当の女王になられた。Eh ben, je comprends qu'il soit déshonoré, Pépère, avec la baffe que je lui ai mis sur la fin. Bon ben, voilà, c'était la fin de Mercedes. Enfin, la fin. La fin du chapitre de Mercedes. Eh ben, ça en fait des choses. Il n'y a vraiment plus grand-chose, hein, parce qu'on m'a dit que le prochain perso, ça allait très vite avec lui. Donc du coup, ben, on approche de la fin tout doucement, les enfants. Hein.
On est à plus de la moitié, là. Je dirais qu'on est au... Bon, je vais pas dire 3/5, ça serait vous insulter, mais... Ouais, on doit être un petit peu à... aux 2/3. Bon, putain, ça... Eh ouais, alors, je vais juste découvrir le prochain personnage avec vous. Ouais, est-ce que je vous mets le seum? Qu'est-ce que je fais? Je vous mets le seum ou je vous mets pas le seum? Parce qu'en même temps, je suis parti de moi, donc le seum, vous l'avez déjà eu en soi un petit peu. Allez, je vous mets pas le seum. L'épée noire, on va jouer avec Oswald. Voilà, voilà. Donc ça veut dire que le dernier personnage sera Velvet. Putain. Eh ouais. Pété de thunes. Il est pété de thunes. Elle est moins pété de thunes. J'ai vraiment fait les plus gros niveaux avec elle, quoi. Prochain, c'est l'épée noire d'Oswald. Voilà. Par contre, du coup, je vous laisse, je ferai la cinématique d'intro d'Oswald plus tard. Là, moi, je vous laisse ici, les gens. Écoutez, je pense qu'on a bien avancé. Ça va faire plus d'un an que je suis sur ce let's play, donc je vous avoue que je suis assez content de bientôt pouvoir terminer quand même. Mais à côté de ça, il y a aussi que j'ai regardé, il y a pas mal de gens qui n'ont pas réussi à le finir ce jeu parce qu'il était quand même vachement long, faut dire ce qu'il est. Du coup, je serais assez content d'avoir à le finir, parce que comme ça, il y a enfin des gens qui pourront avoir la fin si jamais ils n'ont pas le jeu ou quoi que ce soit. Et de ce fait, voilà. Bon, après, attendons, hein, c'est pas encore fini, il nous reste encore 2 chapitres à faire. Mais bon, ça avance bien cette histoire quand même. Voilà, moi je vais essayer de mettre un gros coup de boost là prochainement. Donc du coup, j'ai tourné 3 épisodes à la suite, vous aurez 3 épisodes dans la semaine. Donc à partir du moment où vous verrez cet épisode que je vous le dirai, ça servira à rien parce que les 3 seront sortis. Mais je vais essayer de faire à peu près ce même rythme à chaque fois, sauf le moment où je partirai en vacances, où là je pourrai rien faire du tout. Voilà, voilà, vous êtes prévenus, je vous fais à tous des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit. Si vous regardez cette vidéo avant de dormir, je vais y arriver. J'espère que ce let's play vous plaît toujours. Je sais que j'ai perdu pas mal de gens qui regardent ce let's play parce que à cause de mes 2 mois de déménagement, ça, les gens en avaient marre d'attendre, ce que je comprends tout à fait. Hein. À côté de ça, je vais moi essayer d'en finir rapidement, enfin pas rapidement mais bien quand même, hein, on va pas faire n'importe quoi. Pour attaquer sur d'autres jeux qui me tiennent vraiment à cœur, parce que pour être honnête, c'était très sympa là le coup de découvrir Odinseer avec vous, mais j'ai préféré être sur des jeux que je connais pour vous montrer des astuces, des trucs comme ça, ça me tient plus à cœur, genre Demon's Stone par exemple, où au moins tout vous montrer quoi. Voilà, gros bisous à tous, ciao tout le monde, à la prochaine, bye bye.